Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, c'est une situation assez risquée. C'est bon, je l'ai eu enfin. Ok, faut que je me cache complètement derrière lui. Tout va bien se passer. Oh, il a changé d'arme. Ah, il a les deux armes maintenant. Je vais un peu m'enfuir histoire de le semer un peu. Ok, il court, ça va être pas mal. Comme ça, je vais passer bien par là, par là, par là, par là, par là et par là. En fait, faut le semer carrément. Faut essayer de lui rentrer le serin dans son corps. En fait, faut que je me cache complètement derrière. Ok, t'es là. Va te faire foutre. En fait, faut que j'essaie de vraiment me mettre derrière lui, mais il y a tellement de vaisselle cassée. Je t'aurais laissé une chance de t'en sortir. Y a pas d'arme, y'a beaucoup que tu penses être au-dessus de tout ça. Pas de revolver. Tu me trompes. Allez, couteau. Cours, petit lapin, cours. T'inquiète pas, le lapin il va courir. Voilà. Attention, le lapin il court aussi. Où est-ce qu'il est, ce salaud? Je l'ai perdu moi-même là. C'est pas vrai, je l'ai perdu. Ah, il est là. Il est mieux entraîné que moi maintenant. Fais attention à la vaisselle. Il est là, bah il va sortir par... Je suis impaulé. Ah, c'est des malins, ils m'ont brouillé le radar. Ils m'ont brouillé le radar, je sais pas où il est. Voilà, ah, c'est cache-cache maintenant, tous les deux. Ça y est, je l'ai repéré. Le pire, c'est que je vais passer là où il y a de la vaisselle. J'attends qu'il se retourne complètement. Voilà, comme ça il me verra pas. Il poursuit. Putain, il m'a semé. Voilà. Il manque plus que Joël qui arrive à mon secours. Voilà, et tu parles du loup, voilà la bête. Et Joël va sauver Ellie, elle va pas bien. Ah mais je reconnais l'endroit ici, je suis pas passé. Coucou. Ça sert à rien, je vois que dalle. Putain, il y a encore des mecs. Si elle se pointe, on devrait surveiller l'abri. Oh, regardez, un gros colosse derrière. Et on sait pas où elle va réapparaître la prochaine fois. Alors on doit faire super gaffe. Franchement, je vais même pas les tuer. Il m'a pas repéré. Hein. Ça, il t'a pas repéré mon cul, bon c'est quoi en cours hein. Coucou tout le monde, je m'appelle Ellie. Oh, une belle hache qui m'attend, mais j'ai déjà la même à la maison. Je vais essayer d'économiser mes balles au maximum. J'ai entendu un mec.
trop fort, il y a même une petite réserve. Oh, oh là 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 là, j'adore. Fumigène. Ah ouais, c'est pas mal ça. Une durée un peu plus plus grande. En plus, je tombais par hasard dessus. Ok, ils sont tous... Oh là là, mais... Alors, 1, 2, 3... Oh là là, mais faut arrêter un peu là. Faut un peu arrêter là, tout ce qu'il y a. Comment tu veux que je me batte contre tout ça? Moi, je suis caché. Je suis caché. Cours, cours, Joël. C'est la fin du monde. Faut que tu cours. Tant pis, hein. Ne me dis pas, faudrait que je neutralise tout le monde non plus, hein. Coucou, je quitte la ville. Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça pour le moment. Merci pour la voiture vide. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ben en fait, c'était une crampe. Faut que je les abatte tous, à mon avis. Oh là là. Ils adorent m'embêter. Hein. Rebonjour la ville, je suis de retour. Je me suis juste absenté un court instant. Ah, le foutage de gueule. Regardez, hé, sérieusement, vous en pensez quoi? Ah non, 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 non. Bon, y a pas le choix. Hein. Mais où est-ce que t'es passé? Je vais faire pareil avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Joël? Mais des fois, les mouvements, ils sont chiants. Eh, ça va, eh. Tu vas pas vider ton barrière sur moi. Eh, c'était fou, hein. Bon, j'ai pas le choix. Oh, j'ai même pas de... j'ai rien pour me soigner. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Oh, c'est pas vrai. Ils m'ont bien eu quand même, hein. Ah franchement là c'est pas drôle là, je me repars avec rien du tout. Bon, de toute façon j'ai pas le choix à mon avis. Ah tiens, il y en a un là. Trouvons-le avant... Putain, ils bougent trop les mecs au dernier moment à chaque fois. Oh, tu gueules comme ça toi. J'adore. Je suis en train de m'esquiver depuis tout à l'heure et je tombe sur un mec. Voilà, je t'ai éclaté. Oh les mecs, ils ont jamais rien. Jamais rien. Avec n'importe quelle arme, tu peux rien leur faire. Voilà, donne-moi des balles, t'as rien, quand même toujours, tu n'as rien. Ok, ça, fallait les voir, les petits trucs comme ça. Le cadavre, on était passé tout à l'heure, te faire un petit coucou, tu ne nous as pas forcément réconforté. Là, il me reste quoi? Je suis passé là... Oh! Quoi, il y en a encore un là, quelque part? Putain, j'ai pas de vie. Putain, mais ils ont des fois des armes, les mecs! Aïe, 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 aïe! Ok, Joël est là. Oh là là, ils m'en ont mis trop. Regardez aussi, c'est un peu abusé. Voilà, comme ça il m'embêtera plus. Pour l'instant, je suis incognito. Ok, ça c'est fait. On va plutôt prendre l'arc, ce sera un peu plus discret. Si j'arrive bien sûr à les voir. Attends, il s'est caché là, lui.
Ouais, arrête de vider ton chargeur sur moi. Putain. On est marre. Je me suis esquivé. Hein. Pourtant, je me suis esquivé. Mais il y en a un qui est encore arrivé derrière moi. Mais non, mais il y en a marre là. Attends. Allez, on va faire encore plus bourrin que tout à l'heure. Tiens, deux d'un coup. Non, nulle part. Rien. On a rien tué, ouais. Ah, franchement, je vais même pas rigoler avec eux. Hein. Ah, c'est bien, ils brûlent d'un coup. Viens, viens faire le pas. Viens, on va faire les malins. Putain, mais c'est quoi cette boîte là? Tiens, toi t'as brûlé. Pas mal lance-flamme, mais t'as très peu de cartouches. Voilà, ça ils m'embêteront plus, hein. Ça suffit ces conneries. Je changerai jamais d'arme. Hein. Donc là on en a neutralisé quand même une bonne moitié. Bah voilà, c'est les deux snipers, faudrait que je me méfie, j'en ai pas vu un en fait. J'en ai vu un sur les deux. Et j'imagine que j'ai pas de sniper. Alors, une menace neutralisée. L'autre, il est où? Ok, il est un peu plus au fond. Là, il n'y a rien. Je vais prendre un peu plus de recul. Où est-ce qu'il est? Voyez-vous? C'est lui qui m'a battu tout à l'heure. Oh, je vois même pas où il est. Ah, c'est des malins, ils ont mis un poteau avec un mec. Alors là... Mais on le voit même pas, quasiment. C'est bon, je pense qu'il a été neutralisé. On repart sur les armes plus traditionnelles. Là, d'un coup, on commence un petit peu, vous voyez, il faut recommencer plusieurs fois d'affilée, limite, pour bien comprendre le truc. Donc là, j'ai encore une hache. J'ai pas l'utilité de l'utiliser. Là, on était passé tout à l'heure. Je vais encore ouvrir, à mon avis, à nouveau la cabane. Ouais, parce que c'est un jeu tellement intéressant. En fait, faut savoir que si tu passes à côté de certaines choses et que tu meurs, bah, tu recommences à les récupérer. Ok, donc c'est bon. J'ai les pilules. On va essayer de se mettre un truc à fond. Donc j'ai 100, on est d'accord. Donc 100, j'ai deux possibilités. C'est soit je prends la santé au maximum, qui va pas me servir à grand chose, ou je crois que je vais prendre plutôt une durabilité des serins. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de zombies, etc. Et j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec. Bon, par contre, c'est bien beau maintenant, mais c'est où que je dois passer? Voilà, on va prendre l'arc. Il me reste encore un quelque part, c'est sûr. Putain, c'était juste ça. C'était là qu'il fallait que je passe. Oh là là, hey, mais moi des fois. C'était juste ça. Bon bah tant mieux. Hein. Je vais me cacher. C'est bon, neutralisé. C'est dingue quand même tous les mecs qu'il y a. C'est plus pratique en pleine tête.
Là, il n'y a plus rien. Il faut aller voir les mecs. Hein. Purée, je suis sûr que je vais encore tomber sur un mec dans pas longtemps. Il y a quoi de ce côté-là? Il n'y a rien. Il y a une porte entrouverte. Je me méfie peut-être qu'il y a un monstre qui va sortir de là-bas. Je taquine, mais on sait jamais. Ça y est, il est arrivé, Joël. À bon port. C'est quoi tout ça? Oh, tu pourras te changer enfin de vêtements. Ah, il y a son sac. Sac à dos d'Eli. Il n'y a que ça? Ok, tu... Oh, c'est moins bon là, si. Ah, c'est du cannibalisme en fait. Lui qui a rien à manger. Il faut que je la trouve. Ils se mangent entre eux. Là, y a rien. Heureusement que Joël est là. Hein. Mais les boîtes de conserve, dommage que tu peux pas tous les prendre. Comme par hasard, ils ont juste mis des boîtes vides. On va ramper jusque là-bas. On va parler combien qui va m'attraper la jambe. C'est sûr et certain. Je me prépare avant, psychologiquement, pour pas flipper. C'est bon, je suis prêt. Attrape-moi la jambe. D'accord, tu préfères le coup de pied, si tu veux. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. Tu peux me supplier. Tu penses me connaître? Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont je suis capable. C'est moi, regarde. Regarde. C'est moi. Il a essayé de... Ça va. Tu m'as entendu? Non. Quoi? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. On y va dans le prochain épisode. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de vidéos différentes. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.